Je l'ai trouvé. Je vais mélanger les ingrédients. Des nouvelles de la patrouille? Je viens d'intercepter une autre transmission. Ils sont en mouvement. Ils sont où maintenant? Ils... Oh non. Ils se dirigent droit sur toi. Tu pourrais peut-être les esquiver, mais il est sans doute trop tard. Désolé, Lara. Ah finissons-en! Je ne trépigne pas d'impatience, à vrai dire. Si ça marche, j'en ferai pour moi et te retrouverai dans le vallon. Je te préviendrai quand j'y serai.
Il y en a juste assez pour deux doses. Je dois pas le gâcher. Ça marche, Nadia. Tout est... normal n'est pas le bon mot, mais... mais ce n'est pas comme la dernière fois. Bien. J'ai fait mon propre antidote, et il y en a assez pour grand-père, si on le retrouve. J'arrive. Des épouvantails, bien sûr. Ça peut pas être le même endroit. Je me suis perdue ici. Lorsque la culpabilité devenait trop forte, je me défoulais. Un tournevis volé, des documents égarés. Des gestes vains qui ne compenseraient jamais le mal que je ressentais. Un jour, j'ai été surpris en train de prendre un risque stupide. Ta grand-mère, Serafima, elle s'est dénoncée à ma place. Ils l'ont battue, sans pitié, mais j'étais sauvé. Lorsque j'ai trouvé un moment pour la remercier, elle m'a craché aux pieds, me disant que j'avais risqué ma vie pour rien. Elle m'a défié d'en faire plus. Tu lui ressembles tellement, Nadia. Au début, je la trouvais cruelle. Elle trouvait mes petits actes de désobéissance insignifiants. Cet endroit, le goulag, il écrasait tout espoir et détruisait le peu de dignité que nous avions. Elle disait que chaque jour où je ne le combattais pas de tout cœur, je me rendais complice de son atrocité. Elle exigeait mon honnêteté, car elle savait que j'en étais capable. C'était le plus grand geste de gentillesse qu'on ne m'avait jamais témoigné. Et je l'aimais pour ça. Rien, juste une forêt. Ça avait l'air tellement réel. C'est de l'équipement trinitaire. Quelque chose ne va pas. Nous avons perdu le vieillard à l'entrée du vallon. Nous avons perdu Fisher, Parker. Ils ont disparu sans laisser de traces. Impossible de se fier aux yeux. Je vois des choses, des corps, pire, des choses qui marchent. Tellement énormes qu'elles masquent les étoiles. Impossible de savoir ce qui est vrai. Pas sûr que le réel existe. C'est les yeux. Il faut se débarrasser des yeux. Mes mains sont fermes maintenant. Billings passe en premier. Arrête, ne bouge pas! J'ai passé à côté la dernière fois. Mais il n'y a pas de corps. Peut-être qu'ils sont encore vivants. Nadia, qu'est-ce que tu sais de ces ruines là-bas? Même avant que la sorcière s'y installe, mon peuple évitait le vallon. Les fondateurs voulaient y construire un hôtel, mais il leur est arrivé quelque chose. Aucun de nous n'y va plus depuis des générations. Fais attention, même si tes visions n'étaient pas réelles, cet endroit reste dangereux.
Ce sont que des loups. De l'huile sur le sol. Mais voilà le feu magique. Je suis arrivée au niveau des premières ruines. Ça ne ressemble pas à un hôtel. C'était quelque chose de fonctionnel. Je vois des cordes, des mécanismes en bois. Les fondateurs ont construit des nacelles dans la vallée pour transporter les gens et les provisions entre les sommets. Mais ils ne marchent plus. Ça doit être ça. Essaie de grimper jusqu'en haut. J'arrive. Je suis dans le canyon. Je te préviens quand je serai arrivée. Il fait noir. Les autres sont là-bas. Je les entends haleter. Un moment de clarté, mais il m'échappe. Ça devient rare. On est malade. Empoisonné. Quelque chose... Peu importe. J'ai oublié pourquoi on est venu ici. J'ai oublié où on était avant. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Il y a quelqu'un d'autre ici. Il marche parmi nous alors qu'on rampe et qu'on gémit. Un esprit. Une déesse. Un démon. Elle murmure. Nous écoutons. Écoutez. Je peux peut-être attacher une corde à cette poulie. Je peux peut-être attacher une corde à cette poulie. Ça marchera pas. Il doit y avoir un moyen d'ancrer ces plateformes. Je peux peut-être relier ça à quelque chose.
Je dois sûrement pouvoir relier ces deux manivelles. Nous avons décidé d'attendre la fin de l'hiver. Nous avons caché des provisions, dessiné des cartes. Nous nous sommes préparés. Je lui ai obtenu du travail en intérieur. Elle m'a aidé à trouver des moyens de ralentir les rouages du goulag. En bloquant une nacelle hydraulique, je pouvais éviter une journée dans les mines à une centaine d'hommes. En coupant les câbles de quelques camions, pas de projet de travail spéciaux pendant une semaine. Je prenais plus de risques. Mais maintenant que je connaissais ta grand-mère, je ne pouvais plus me complaire dans l'ignorance. Nous savions que l'enfant compliquerait notre fuite. Elle a tenté de le cacher aussi longtemps que possible. Et puis, sans prévenir, ils l'ont emmené. Ils ont donné notre fille à une infirmière parmi les prisonniers. Et ils ont traîné Serafima dans le vallon. J'ai essayé de les arrêter. Je ne me cachais plus. Je me tenais face au camion de transport, prêt à tuer pour la sauver. Mais ils étaient trop nombreux. Je lui ai crié mes adieux alors qu'il m'emmenait. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Je dois sûrement pouvoir relier ces deux manivelles. Je dois sûrement pouvoir relier ces deux manivelles. Je peux peut-être utiliser une de ces cordes pour remonter. Thank you.
ferait bien de courir. Regarde-moi ça! La machine est toujours en état de marche depuis tout ce temps. La sorcière a même fait quelques améliorations. Mais je ne crois pas que ces cordes vont tenir encore bien longtemps. Il faut que ça tienne le temps qu'on passe. Enfin, le temps qu'on revienne aussi, si possible. Essaie de tirer le levier sur la plateforme. Ça nous fera peut-être avancer. Ta sorcière est astucieuse. Tout dans le vallon est arrangé de sorte à perpétuer le mythe de Baba Yaga. Et le pollen fait le reste. La dernière fois que j'ai vu la nacelle, elle ne ressemblait en rien à ça. Qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu une maison perchée sur d'énormes pattes d'oiseaux. Comme dans la légende. Mais sans le pollen, c'est seulement un vieil engin. Je suis désolée. Je croyais vraiment à l'histoire de grand-père. Elle est russe. Elle connaissait bien le mythe. Nadia, il est possible que ton grand-père la connaisse. Il était prisonnier du goulag, après tout. C'est pas exactement ça. Grand-père était un garde. C'était ma grand-mère qui était prisonnière. C'était une brillante scientifique, et ils l'ont emmenée dans le vallon pour qu'elle les aide à découvrir quelque chose dans les ruines. Puis la sorcière est arrivée. Grand-père était jeune. Tuer la sorcière ne la ramènera pas. Mais je comprends. Espérons qu'on arrive à temps pour l'arrêter. Nadia, viens vite! Non. Nadia! Comment? Oh, c'est l'effet du pollen. Attends, laisse-moi faire. Grand-père, est-ce que tu m'entends? J'ai essayé. Mais je n'ai pas pu la sauver. J'ai essayé. Chut, on est là maintenant. Je vais rester avec lui, Lara. Vas-y. Il te reste plus qu'une seule dose d'antidote. Ne la gâche pas.
Ils m'ont mis avec les autres prisonniers russes. Je voyais la haine dans leurs yeux, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Pour eux, je n'étais qu'un instrument de leur humiliation et de leur déchéance. Je ne leur ai pas expliqué ce que j'avais essayé de faire. Ce ne serait jamais assez. Lorsque la révolte a éclaté, j'étais prêt. Les prisonniers natifs, ceux que le goulag avait recrutés dans ce village, étaient séparés des Russes. Ils avaient entendu parler de ma résistance, et c'est pour cela qu'ils m'ont épargné, contrairement aux autres gardes. J'ai tenu ma fille, ta mère, dans mes bras, alors que le goulag brûlait autour de nous. Les gens du village nous ont recueillis, et malgré leur superstition, ils ont accepté de m'aider à sauver ta grand-mère dans le vallon.